Bonjour à tous. Pour commencer, j'aimerais revenir sur le nombre d'abonnés qui vient d'augmenter encore aujourd'hui. On est 50, ce qui est bien. Ce qui veut dire que ça augmente, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont arrivés, donc c'est cool. Donc n'hésitez pas à partager, ça ramène du monde, et puis c'est toujours cool de partager ses passions avec vous. Donc c'est parti, on ouvre une nouvelle boîte. Alors j'ai reçu ça. Alors je pense savoir ce que c'est. Je suis pas super sûr. Mais il y a tout de suite une question légitime que je me dois de poser. C'est, mais qui a séquestré les designers, bordel de merde? Alors ça, voilà. Ça, c'est la seule décoration qu'il y a. Donc, 19-375-AN. C'est tout. C'est l'austérité sur cette box. Alors, comme ça ne se voit pas, cette box, c'est My Japan Box. Qui vient du Japon, avec des goodies et tout ça. Et on va faire l'autopsie de cette box aujourd'hui, tous ensemble. Et en conclusion, à la fin de la vidéo, on va se dire, est-ce que c'est la meilleure que les autres? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est pas bien? Voilà, comparé à toutes celles qu'on a ouvertes dès à présent. La taille. Important parce que là, on se rapproche de la taille de l'Otaku Box qu'on avait ouvert la dernière fois. Donc on est sur du 24,5. Par un peu plus de 30, il me semble, ouais, 33. Sur une hauteur de 11 cm à peu près. Alors, la box vient du Japon. On va tout de suite l'ouvrir grâce à notre baguette magique du 9-3. Donc la box vient du Japon, elles sont envoyées tous les premiers du mois, selon au moment où on a fait la commande, hein, bien sûr. Et donc le site propose plusieurs box de plusieurs thèmes différents. Il y a même de la bouffe, il y a même maquillage, je crois, je sais plus. Et moi, j'ai choisi le thème des animés. Alors, vous avez aussi des thèmes spéciaux, genre Pokémon, qui serait super intéressant à faire. Et Dragon Ball et One Piece, que je ne ferai pas. Et d'autres sortes, je sais plus, il y a du thé aussi. Et les box vont à peu près de 26€ à 96€, sachant que celle-là, je l'ai payé 41€, frais de port compris, venant du Japon. Et que je sais pas pourquoi, je suis allé voir tout à l'heure, elle a augmenté, elle est à 50€. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quand même un petit flyer qui nous rappelle ce qu'on a commandé, au cas où on avait oublié, vu la tronche de la box. Donc je vous mets le visuel de la box qu'on aurait dû avoir normalement, c'est ça. C'est pas ça. Voilà, c'est tout blanc, c'est on dirait un touriste allemand. Hein. Et donc, c'est la box anime, et... Et le produit, c'est marqué en français. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est une espèce de, d'association, enfin je sais pas comment on dit, de international, donc il y a 8 personnes de 8 nationalités différentes qui ont fondé ce truc là. Et donc c'est en français, en allemand, en anglais, en je sais pas quoi d'autre. Donc déjà, il y a un peu de protection. C'est pas du journal, mais il y a un peu de protection. Et je vois déjà des choses qui me plaisent. On a une petite une espèce de lunchbox avec c'est un snack avec Pikachu et des Pokémon d'Alola que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, il se présente comme ça. En fait, on l'ouvre, c'est comme une espèce de lunchbox. Et donc, il me semble que c'est des petits trucs au riz soufflé, oishi. Yo, non, c'est dire ça, c'est bon. D'accord, ouais, des Pokémon. Et il y a des petits trucs collector. Ah, il y a des trucs. Bah, on va ouvrir alors. Des petits trucs collector. Alors, je vous montre l'intérieur. Tous les objets de bouffe de Pokémon, il y a toujours des trucs dedans. Là, on a un espèce de labyrinthe avec Pikachu, Solgaleo, Lunala, Tocorico et. J'ai oublié son nom. Donc, on a ça. Une espèce d'autocollant. Oups. L'autocollant m'agresse. Il ouvre une Mind Japan Box, ça tourne mal. Agressé par un autocollant. Et si j'arrive à faire le focus dessus, c'est Brindibou, il veut pas. C'est Brindibou, c'est un autocollant de Brindibou qui s'appelle Mokoro. Ben, je savais pas. Voilà. Je ne connaissais pas son nom. Japonais.
Donc après, le petit sachet et les petits Pikachu dessus, c'est très joli. Le packaging est super. Hop. Alors, mais là, bon, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit parce que ça saute aux yeux. Mais il y a une sacrée putain de figurine de Rem, là. De ReZero. Je sais pas si vous regardez, si vous connaissez. Mais elle est géniale. Voilà. J'ai pas les mots. On va l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Enfin, ce qu'il y a dedans, on sait ce qu'il y a dedans, c'est la figurine. Mais elle a l'air vachement grande quand même. Et en plus de ça, ReZero, c'est quelque chose que je regarde et que j'aime bien. Je sais pas si ça a continué d'ailleurs. J'ai pas suivi la suite. Bon, c'est tout emballé. Je vais pas tout déballer maintenant. Mais juste pour vous montrer un petit peu. Voilà. C'est Rem ou je sais plus l'autre, c'est deux sœurs qui ont des poids. Enfin, si vous regardez, vous savez ce que c'est. C'est un anime que je conseille, qui est sympa à regarder. Je crois qu'il y a une vingtaine d'épisodes pour l'instant. Je sais pas s'ils ont fait la suite. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Bandai Namco Fiori Senna. Si vous savez ce que c'est, dites-moi, parce que là, Alors, même l'objet, hein, je sais pas ce que c'est. C'est un autographe, c'est ça? C'est une school idol? J'en sais rien. Je ne connais pas du tout. Ça m'a l'air d'être un espèce d'autographe chelou. J'arrive pas à l'ouvrir, d'ailleurs. Pourquoi je peux pas l'ouvrir? Ah oui, il y a une puce RFID dessus et tout. Mais c'est quoi ce truc? J'aime bien parce que c'est super bien emballé, c'est super bien protégé et tout, ça doit valoir une fortune. Et moi je suis en train de l'ouvrir là comme un sac. Mais c'est un carton. Je sais pas. Je ne reconnais pas la valeur de cette chose là. Néanmoins, je crois que c'est une school idol ou un truc comme ça, mais ouais. Ah, depuis tout à l'heure je vois ce CD là. Donc on a un CD, actuellement, c'est un CD, c'est un compact disque, comme qu'on dit. Jensuo Bukyoku. Ben, je ne connais pas, mais j'écouterai avec plaisir, je crois. Mais on a eu un CD, quoi. Je crois que c'est mon deuxième CD japonais, il me semble. Alors là, on a des espèces de haricots frits, je sais pas, c'est un snack. Une espèce de... Ouais, je sais pas, je dirais des haricots, moi. On a des petites baguettes de mon voisin Totoro, avec le petit monstre... Je sais plus comment il s'appelle, est-ce que c'est marqué Sugeri? Non, c'est pas ça. Tonari no Totoro, ça c'est le titre. The Way, des superbes baguettes. Et, oh là là, qu'est-ce qu'on a par là? Un espèce de... Bon, c'est un verre, hein, on va dire c'est un verre. C'est un verre de Pikachu, mais genre c'est officiel quoi. Il y a marqué TV Tokyo, les gars, Game Freak, Nintendo, Pokémon. C'est un truc de fou. On a des objets qui sont vraiment sympathiques dans cette petite box. Ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas de papier d'explication. C'est qu'on nous jette un papier comme ça en disant « Eh, regarde, t'as le visuel de la box que t'as pas eu en fait ». Ça c'est un peu dommage, mais sinon les objets sont sympathiques. C'est aussi sympathique de chercher par soi-même, d'essayer de trouver. Et tout de suite, on va se retrouver pour la conclusion de cette box. Alors on nous revoilà avec tous les objets qu'on a eu. Donc on a eu les baguettes, le mug, les petits snacks, espèces de haricots, la photo dédicacée d'une idol, je pense que c'est l'idol, mais je suis pas sûr, un CD que je ne connaissais pas,
Ensuite, le petit snack de Pokémon qui fait plaisir avec un petit brin d'hibou. Et la superbe figurine de Rem, de ReZero. Alors, il y a pas mal d'objets, les baguettes, j'ai oublié d'ailleurs. Ou je les ai dit, je sais plus. Vous allez dire. Et il y a pas mal d'objets pour une box qui fait la taille de l'Otaku Box, en fait. Qui est quasiment, elle est même un peu plus petite, je pense, faut que je remesure, mais c'est ça. Alors, pour le prix, c'était 41€. Pour moi, ça les vaut, bien évidemment. Alors, ça a augmenté à 50€, donc je sais pas, là, rajouter 10€ de plus, même si les objets sont sous licence, qui sont super, super bien choisis, et que c'est des mangas, c'est tout différent, ça couvre vraiment une large... Bon, on a deux trucs Pokémon, ok, mais bon, c'est Pokémon, on peut pas passer à côté. C'est genre là, j'ai pas eu de One Piece, j'ai pas eu de Dragon Ball, j'ai pas eu de... Je sais pas ce qu'on peut rajouter d'autre. J'ai pas eu de My Hero Academia, par exemple. Mais on a un large panel et on a un CD, quoi. Ouais, j'ai jamais eu de CD dans mes box. C'est la première fois que j'ai un CD dans ma box que j'écouterai. Autant c'est pourri, hein. Autant c'est je sais pas, c'est inécoutable. Mais on a un CD, c'est peut-être les musiques de l'anime, je ne sais pas, je ne connais pas du tout cet anime-là. Si c'est un anime. Ce que je peux en dire, c'est que par rapport à la box du mois dernier, donc qui était Lucky Bento Box, elle est légèrement au-dessus, en fait. Celle-ci est légèrement au-dessus que la Lucky Bento Box, donc ce serait dans mon classement la Neon Box en premier. Évidemment, parce que le rapport qualité-prix, c'est quand même difficile de faire mieux. Pour rappel, on a eu là, la figurine de Head, là. Ensuite, donc, il y aurait ça là, My Japan Box, version animée, parce qu'il y a d'autres versions. Et j'aimerais beaucoup tester la version Pokémon, d'ailleurs, qui est un poil plus chère, il me semble qu'elle est à 50€. Mais si c'est, si c'est le même type d'objet que là, pour moi ça vaut le coup. Il manquerait bien évidemment juste un t-shirt. Le t-shirt qu'on a eu dans Lucky Bento Box, que je mettrai en troisième dans ce classement. En dernier, et je suis désolé mais c'est encore l'Otaku Box. Hein. Voilà. Il y a un moment donné on fait avec son art. Alors je regarde bien sûr le rapport qualité-prix. L'Otaku Box m'a coûté un peu plus cher quand même. Et voilà, niveau objet. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 objets qui sont quand même sous licence, dont un autographe que je ne connais même pas, mais d'une super figurine et tout ça. Bon, bien sûr, il y avait une figurine qui était sous licence dans l'Otaku Box, mais il n'y en avait qu'une. Tout le reste, c'était un petit peu, voilà, il y avait du porte-clés, des trucs comme ça. Là, on a vraiment des objets qui sont, voilà quoi, qui sont attirants à l'œil. Et surtout qu'ils sont variés, c'est vachement varié, et c'est ça que j'aime bien dans une box qui se dit d'animé, et pas seulement de One Piece ou de que Dragon Ball, ou c'est pas que d'avoir, voilà, avoir qu'un seul manga, c'est vraiment, voilà. Alors que là, il y en a plusieurs, il y en a même que je connais pas, et donc ça me forcera forcément à aller regarder ce que c'est, et comment ça se fait que je connaisse pas, alors que peut-être c'est super connu au Japon, que c'est dans le top 5, ça m'étonnerait, mais c'est peut-être dans le top 5. Ensuite, on a des snacks. Alors, les snacks, moi, comme je vous dis, je préfère commander sur Candy-san. Au moins, je sais ce que je commande, à peu près. Et puis, je change pas une équipe qui gagne, hein. Je commande toujours les choses qui me plaisent le plus. Mais c'est bien de découvrir aussi, une fois de temps en temps, bon, là, c'est des snacks Pokémon, c'est des snacks, voilà, enrichis en calcium, je ne sais pas quoi. Unwashio. Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire, Unwashio. Mais bon, c'est ça. Et donc voilà, pour moi, deuxième dans le classement, il y a un petit côté, voilà, deuxième dans le classement, mais en même temps, juste derrière, il y a l'équipe Bento Box, hein, c'est, il n'y a pas, après, loin derrière, il y a Otaku Box, bon, ça, c'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais cette box vous a plu, il y a le lien dans la description. J'ai rien, hein, j'ai pas de coupon, j'ai rien, hein. Franchement, je gagne pas du tout d'argent là-dessus. Et voilà, donc... Chaque mois, je vais continuer à rechercher des box, voilà, pour vous faire découvrir. Celle-là est vachement intéressante. Elle arrive, donc elle part le premier du mois, elle arrive 15 jours après, en gros. C'est vachement intéressant, parce que la Nien Box, elle met un peu de temps quand même à arriver. La Kimento Box, elle met près d'un mois à arriver, mais bon, elle vient des États-Unis. Et celle-là, elle vient du Japon, mais la Nien Box aussi vient du Japon. Et bon, bien sûr, niveau rapidité, c'est l'Otaku Box qui l'emporte. En même temps, elle est envoyée en France, de France, quand on est en France, voilà, c'est... Forcément, c'est la plus rapide. Mais ça là est quand même vachement rapide, ils sont assez réactifs, le site est pas super bien fait, mais franchement, ça vaut le coup de commander au moins une fois pour se faire son avis.
Bon, à mon avis, il est fait. Je pense que dans le futur, si c'est l'occasion se présente, si j'ai un coupon de réduction aussi, je recommanderai parce que ça vaut le coup quand même. Bien sûr, on est très loin du tarif de l'Union Box, c'est pour ça qu'elle reste première dans mon classement. Mais on a quand même des objets qui sont vraiment sympathiques et je recommande. En tout cas, n'hésitez pas à partager autour de vous si les gens, si vous ne connaissez pas cette box, si les gens autour de vous ne connaissent pas ces box, qu'ils ont envie de découvrir quelque chose d'autre. Le mois prochain, on s'attaquera peut-être à la box Pokémon, parce que j'ai vraiment très envie de la faire. Ce qui me restera un peu de temps pour chercher une nouvelle box, parce que c'est plus si évident que ça de trouver des nouvelles box, mine de rien. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à dire votre amour pour moi dans les commentaires. Ou pas, je sais pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle ouverture de box. Portez-vous bien d'ici là. À ciao tout le monde. Pour les 50 abonnés, j'ai décidé de devenir un morse. Voilà. Ne faites pas ça au Japon, sous peine de vous faire découper par des samouraïs ninja de l'espace. Voilà.